Nous allons aborder un sujet légèrement différent, qui est comment la technologie peut être utilisée pour traiter les problèmes de santé mentale. Et on va commencer en focalisant sur les troubles d'anxiété. Alors, sachez que la prévalence à vie des troubles anxieux est de 32 %, c'est-à-dire qu'à peu près le tiers de la population, à un moment donné dans leur vie, souffre ou a souffert d'un trouble d'anxiété. Alors, si vous regardez dans la salle, si vous scannez rapidement la salle, il y a à peu près le tiers des gens ici qui vont être affectés par un problème comme ça. C'est donc significatif dans la population. Souvent, les gens, quand je dis ça, ils vont se dire « Oui, mais à cette heure, maintenant, est-ce que moi, j'en ai un problème d'anxiété? » Alors, déjà, rassurons tout le monde en donnant un critère pour se donner une idée quand est-ce que l'anxiété est un trouble d'anxiété. Et le critère de base, c'est lorsque l'anxiété devient un problème, lorsque ça nuit au fonctionnement, lorsque l'évitement et la peur que je ressens m'empêchent de faire des choses que je voudrais faire. Alors, imaginez, lorsque j'ai eu l'invitation pour venir au TEDx, la question que je me suis dit, c'est « Bon, ben là, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis capable? Je suis dans la salle, j'attends pendant un moment, il y a un peu d'anxiété. » Ça peut être une anxiété qui est normale. Mais il y a des gens qui sont paralysés par cette peur-là et qui, par exemple, vont refuser de prendre un emploi, de prendre une promotion, de peur de vivre de l'anxiété sociale. Alors là, on passe à un autre niveau, on arrive au niveau de l'anxiété qui est pathologique. Par contre, il y a de l'espoir. Mais avant ça, essayons de comprendre un peu comment se vit l'anxiété. Et pour ça, je vais vous donner une anecdote. Imaginez, il y a quelques années, je suis couché, on dort, ma femme me réveille, puis elle me dit « Stéphane, il y a un voleur. » Je dis « Ah, on reste à Gatineau, il n'y a pas de danger. C'est une belle ville. » Donc, mais malheureusement, j'entends un bruit, un tremblement qui vient du rez-de-chaussée. Fait que là, je me dis « Bon, ben il y a probablement quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. » Ma femme me regarde avec un sourire. Il y a comme un message implicite dans ça, qui est « Faut que tu fasses quelque chose. » Alors, je mets ma robe de chambre pour être minimalement décent devant les voleurs. Je descends au rez-de-chaussée, je me penche sur le bord de la fenêtre, puis ce que je vois, c'est que c'est une branche qui frappe dans la vitre. Alors, j'ouvre la vitre, je tasse la fenêtre, ou je tasse la branche, je viens me recoucher, puis là, je dis « Oui, j'ai cassé deux jambes, il est parti, il n'y a pas de danger. » Alors, selon vous, est-ce que j'avais raison ou non de vivre de l'anxiété? Mais pourtant, il n'y avait pas de valeur. OK, c'est pas grave. OK, c'est intéressant ce que vous me dites. Ça nous a pris à peu près 150 ans, nous, les psychologues, à comprendre ce que vous m'avez nommé en quelques instants. Ce que vous me dites, c'est que ce n'est pas autant les événements que la façon dont je les interprète. Qu'il y ait un valeur ou non, le problème, c'est que j'interprète ça comme menaçant. Et ça, c'est l'ingrédient clé derrière les troubles d'anxiété. Ou derrière l'anxiété, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui pourrait être dangereux. C'est donc la façon dont on le perçoit. Ça explique pourquoi on vit de l'anxiété. Si on veut comprendre pourquoi ça devient un trouble, qu'est-ce que ça prend pour que ça se développe dans une pathologie qui est chronique, bien, le deuxième ingrédient clé, c'est l'évitement. Lorsqu'on se met à éviter de façon systématique d'apprivoiser ou de confronter ce qui nous fait peur, on se retrouve dans un piège. Parce que si j'évite de faire des présentations orales quand je suis au primaire ou au secondaire, je ne serai jamais assez à l'aise un jour pour prendre, par exemple, un emploi de professeur d'université, qui m'amènera peut-être à jamais être assez à l'aise un jour pour venir donner une conférence comme ici aujourd'hui. Donc, l'évitement est un piège parce que ça referme l'anxiété sur elle-même. Donc, probablement qu'ici, là, il y a deux informations importantes à retenir de la conférence d'aujourd'hui en ce qui me concerne. Par contre, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que si on pense aux thérapies, il y a des traitements qui sont documentés efficaces. La thérapie cognitive comportementale a été éprouvée depuis une vingtaine d'années. On a des traitements qui fonctionnent avec des taux de succès aux alentours de 60 à 80 % selon les troubles. Donc, ce n'est pas une thérapie parfaite, mais sur les formes de psychothérapie, c'est le traitement reconnu efficace pour travailler les problèmes d'anxiété. Qu'est-ce qu'on fait en thérapie cognitive comportementale? Puis, vous allez voir comment la technologie s'imbrique dans ça dans un instant. Mais lorsque je rencontre un client comme psychologue, je vais développer une bonne relation thérapeutique avec mon client. On va essayer d'adapter ce qu'il vit à son problème et par la suite, progressivement, on va travailler ses cognitions, ses pensées pour essayer de modifier sa perception de menace et on va essayer de mettre progressivement fin au comportement d'évitement. Mettre fin au comportement d'évitement, ça veut dire s'exposer, ça veut dire apprivoiser ce qui fait peur, étape par étape. J'insiste beaucoup sur l'aspect progressif. Alors, si j'étais quelqu'un qui est timide, qui vit de l'anxiété sociale, ça veut dire qu'en thérapie, par exemple, j'aurais probablement à aller au magasin, à l'épicerie, puis demander quelque chose, mais de le demander de façon malhabile.
au travail, de faire une blague, mais peut-être pas tout à fait drôle, pour m'exposer un peu au ridicule. Parce que les gens qui souffrent d'anxiété sociale n'ont pas peur des gens, ils ont peur du ridicule, ils ont peur de l'opinion des gens. Alors, ça, c'est progressif, et le but, c'est d'amener les gens à créer ou à développer des nouvelles associations avec l'absence de danger. Je le fais et je réalise que finalement, c'est peut-être dur à faire, mais c'est pas si pire. Alors moi, qui avais à faire la présentation TEDx, je me suis dit, bon, mais comment je pourrais illustrer ça? Puis qu'est-ce que je pourrais faire pour apprivoiser ma peur du ridicule? Alors, une façon intéressante d'apprivoiser sa peur du ridicule, par exemple, ça pourrait devenir donner la présentation avec un débouche-toilette. Est-ce que j'ai l'air fou? Merci, vous êtes honnête. C'est comme ça que ça se passe. En thérapie, quelque part, je dois apprivoiser ma peur du ridicule. Et objectivement, c'est pas de la pensée positive. Je vois des gens prendre des Twitter, là. Oui, effectivement, j'ai l'air fou. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de développer une nouvelle association dans mon cerveau avec l'absence de danger. Il n'y a personne qui est parti. On n'a pas vidé la salle. En fait, les gens ont ri de moi. Mais j'ai peut-être pas encore un échec dans ma présentation. Quand je vais enlever mon chose, ça laisse un rond. J'avertis ça. Mais j'en ai pour des heures avant que ça parte. Si vous êtes un de mes patients en thérapie, ça veut dire qu'on va avoir à faire des choses comme ça. J'insiste sur le progressif. Alors, on ne commencera pas comme ça. Mais quelque part en thérapie, ça veut dire qu'on va se rendre là. Et si vous êtes psychologue et vous travaillez avec quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale, on va aussi avoir à tester des choses comme ça. Ce qui peut rendre les gens extrêmement inconfortables et mal à l'aise. Une alternative intéressante, c'est la réalité virtuelle. En réalité virtuelle, ce qu'on développe ici à l'Université du Québec, en Outaouais, à Gatineau, les gens mettent des lunettes. On voit dans les lunettes ce qui est projeté dans l'écran de l'ordinateur. Vous avez le psychologue à côté. Ici, c'est un cas d'une cliente qui est en thérapie pour la peur des araignées. Et la personne voit l'araignée qui marche sur un comptoir. Puis quand vous vous déplacez dans l'environnement virtuel, il y a un appareil qui suit vos mouvements et vous avez l'impression d'être dans l'environnement virtuel. C'est comme si non pas on est en train de jouer à un jeu 3D, on est dans le jeu. Et ça, ça devient intéressant parce que ça permet aux psychologues d'aider les clients à apprivoiser leur peur sans avoir à aller à l'extrême de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, beaucoup plus de flexibilité. Est-ce que ça fonctionne? C'est fascinant de voir les taux de succès. On a les mêmes taux de succès avec la réalité virtuelle que la thérapie cognitive comportementale traditionnelle, c'est-à-dire 60 à 80. On a terminé une étude ici à l'UQO sur l'anxiété sociale, justement, où les gens avaient une thérapie où on apprivoisait nos peurs concrètement ou en réalité virtuelle. On avait 85 de taux de succès avec un maintien des gains à long terme. Ça fonctionne très bien. Les mêmes études ont été refaites aux États-Unis, en Europe, en Asie. On a un taux de traitement qui est efficace. Alors, c'est fascinant et je vous donne quelques exemples d'environnements qui ont été développés ici à l'UQO avec des graphistes de l'Outaouais, avec des programmeurs de l'Outaouais et des psychologues de l'UQO ou des étudiants de l'UQO. Pour la phobie des araignées, des couleuvres, pour les obsessions compulsions, les gens qui ont peur de la saleté, de la propreté, pas de la propreté, mais du manque de propreté, les gens qui ont peur des images qui pourraient avoir un caractère agressif, les enfants qui veulent faire des présentations orales, on peut mettre des lunettes et on peut contrôler l'audience. Ça peut m'amener, moi, à avoir des enfants qui rigolent, mais juste quand c'est le temps. Et donc, je peux faire vivre des succès à mon client sans avoir à s'exposer au niveau de ce que je vous ai fait avec vous tout à l'heure. Des troubles plus complexes, par exemple, une salle d'urgence où il y a des gens qui parlent de maladies, il y a plein d'ambiguïtés ici pour les gens qui souffrent d'anxiété généralisée. Encore une situation sociale, on peut avoir une soirée, vous pouvez aller dans un endroit où vous devez interagir avec des gens. Il y a du monde qui danse, il y a du monde qui a l'air faim, il y a du monde qui a l'air étrange. Ici, au restaurant, vous êtes dans un environnement virtuel et moi, comme psychologue, soudain, la serveuse peut vous regarder. Tout le monde peut vous fixer dans le restaurant. Puis là, je peux vous aider à apprivoiser votre peur. Mais dans la sécurité et dans la beauté du bureau du psychologue, où encore une fois, on n'a pas à se promener avec un débouche-toilette dans le front. Comment ça se fait que ça fonctionne? Ça, c'est fascinant. Pourquoi est-ce que ça peut fonctionner? Parce que quelque part, mon client, il ne fait que regarder des images artificielles. Et là, ça nous amène au cerveau et au titre de la conférence. Dans le registre des émotions, vous avez un cerveau ici qu'on voit dans les lunettes de réalité virtuelle. J'ai le même cerveau à la main. Il y a deux zones du cerveau qui sont importantes. Le centre des émotions, au centre qu'on appelle le système limbique, avec un petit morceau qui s'appelle l'amygdale, un noyau, pas l'amygdale qu'on se fait enlever quand on est jeune, là, mais le noyau amygdalien, on en a des deux côtés. Et ça, c'est le centre des émotions. Puis après ça, il y a l'analyse logique, plus en avant, la partie plus préfrontale. Il faut savoir que le centre des émotions réagit dans à peu près 12 millisecondes face à la présentation d'un danger.
et l'analyse logique arrive après. Ça veut donc dire qu'on a une opportunité ici de quelques millisecondes pour aller faire réagir les gens, même si les stimuli virtuels ne sont pas réels. Et ça, c'est vraiment le fun. Je vous donne un exemple pour illustrer ça, puis après ça, je reviens à la théorie. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont vu le film Titanic au cinéma. Hein? Je vois des gens qui disent oui. Selon le groupe d'âge, beaucoup de gens l'ont vu au cinéma, un peu comme moi. Alors, moi, au cinéma, ce qui m'a fasciné, c'est qu'à la fin du film, tout le monde pleurait. Pas moi, bien entendu, mais la personne à côté de moi était en larmes. Puis là, ça m'a posé des questions de psychologue. Je me suis dit, comment ça se fait que les gens pleurent? Je ne vais pas vous vendre le punch du film, là. Mais le film, c'est, le titre, c'est Titanic. Le bateau, il coule. Et il n'y a personne dans la salle à qui c'est arrivé. Non seulement ça, il n'y a personne qui a vécu quelque chose comme ça, c'est-à-dire super belle fille, super beau gars, on ne se connaît pas, on franchit les barrières sociales, on tombe en amour, le bateau coule, tu as 2 millions de diamants dans le cou, là ton chum, il cale comme ça, tu as Céline Dion qui chante en trame de fond. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais pourquoi alors les gens ont des réactions affectives? Bien, c'est parce que lorsqu'on est dans un film comme ça, on oublie qu'on est au cinéma, on oublie qu'on est dans une chaise, et la partie ici du cerveau qui gère les émotions est activée. On oublie, on met en veille l'analyse critique, c'est comme si c'est plus important, puis ce qui reste, c'est la partie avec les émotions. Et ça, c'est la capitalisation qu'on peut faire avec la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher les émotions, même si ce n'est pas vrai. Imaginez si on interagit en temps réel, c'est beaucoup plus riche. Et là, l'exemple, c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'un cerveau, c'est immensément complexe. Il y a des données scientifiques extraordinaires qu'il faut comprendre que le cerveau, c'est une merveille. Moi, comme psychologue, quand je pense aux émotions, honnêtement, le cerveau, c'est un peu con. Oui, parce que c'est facile de le berner. Puis je ne sais pas si c'est déjà une dispute avec quelqu'un, mais lorsqu'on est émoussé affectivement, ce n'est pas là qu'on est le plus brillant ou le plus logique. Alors, ça nous donne la fenêtre d'opportunité comme psychologue lorsqu'on est capable d'aller chercher les émotions pour être capable de faire réagir les gens et avoir une brèche où on peut berner le cerveau et utiliser la réalité virtuelle pour apprivoiser nos peurs avec succès. Et maintenant, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Parce que jusqu'à maintenant, on a été, selon moi, peu imaginatifs, les chercheurs en réalité virtuelle. Parce qu'on a essayé de faire la même chose en virtuel qu'on fait in vivo, de façon traditionnelle. On arrive au même taux de succès, donc on est déjà content. Ça nous pose des questions sur la conscience et le cerveau, c'est déjà intéressant sur le plan scientifique. Ça évite aux psychologues d'avoir à faire des pitreries comme j'ai fait tout à l'heure. Les clients sont plus à l'aise, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rendre le traitement plus efficace? Et là, je pense effectivement qu'on peut aller plus loin. Je vous donne une anecdote. Une postdoc faisait son postdoc ici à l'UQO. Et puis, elle travaille en thérapie avec une cliente qui a une phobie des hauteurs. Alors, en réalité virtuelle, on est avec nos lunettes, on va sur le bord du précipice, on regarde la hauteur, puis là, on essaie de juger est-ce qu'on va tomber ou non, puis là, bon. Alors, on fait le travail traditionnel. Et un jour, la cliente, elle dit, est-ce que je pourrais sauter pour le fun? Fait que là, comme psychologue, on dit, non, on ne fait pas ça, on ne va pas sur le bord des précipices pour sauter. Sauf qu'on en reparle en supervision avec la postdoc, puis on se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, finalement, c'est virtuel? Alors, la dame, elle saute une fois, là, elle panique, elle trouve ça drôle 3-4 fois. Et après un bout de temps, dans la séance, elle revient et dit, « Savez-vous, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. » Elle dit, « Quand j'ai une phobie des hauteurs, je me sens happé par le vide. » Mais elle dit, « Aujourd'hui, j'ai appris que je ne vais pas sauter. Je vais sauter uniquement si je décide de le faire. » Et ça, elle a pu le faire uniquement parce qu'on a sauté en réalité virtuelle. On ne peut pas faire ça in vivo. Mais en virtuel, on peut donc pousser l'enveloppe et aller plus loin que ce qu'on oserait faire de façon traditionnelle. Ça devient intéressant. Je vous ramène au cas de phobie sociale, au restaurant. Bien, au restaurant, là, maintenant, là, je peux aller au restaurant virtuel, puis la serveuse, quand tout le monde me regarde, je peux la draguer. Je peux même lui chanter de l'opéra, puis fiez-vous sur moi, je chante très mal. Je peux faire des choses qui sont infaisables traditionnellement et quand même avoir la possibilité de faire ça dans la sécurité du bureau du psychologue. Alors, donc, on est en train d'aller plus loin grâce au virtuel. Dernier exemple, encore ma brèche de 12 millisecondes pour berner le cerveau. Bien, c'est fascinant de savoir qu'on peut utiliser maintenant des stimuli subliminaux. Par exemple, vous avez une phobie des araignées. Je vous présente une araignée pendant 20 millisecondes. Le centre des émotions, le système limbique, va le détecter et va déclencher la réaction d'anxiété. Mais après ça, je vous présente une sphère. Qu'est-ce que vous voyez?
consciemment ce que vous voyez sur une sphère. Alors, vous approchez une sphère, on tourne autour, on y touche presque, alors qu'en fait, le centre des émotions est activé, mais il n'y a pas l'escalade d'émotions de « Oh mon Dieu, c'est donc terrible, qu'est-ce que je suis en train de faire? » parce que c'est une sphère que j'approche. Donc, on est probablement capable maintenant, et c'est ce qu'on est en train de tester à l'UCO, si on ne peut pas utiliser des thérapies qui seraient moins inconfortables pour les clients, pour aller plus loin que ce qu'on peut faire, tout ça en utilisant la brèche que nous donne la dynamique du fonctionnement du cerveau, où il y a primauté des émotions dans quelques millisecondes avant que l'analyse logique s'en mêle. Et donc, au fond, ce qui se passe ici à Gatineau, c'est qu'avec la réalité virtuelle, c'est plus de la science-fiction. La réalité a rattrapé et a même dépassé la science-fiction. Sur ce, je vous remercie beaucoup.